Le rire ne fait pas travailler que les zygomatiques. C'est un sport d'équipe dont le succès grandit. Même si, vu de l'extérieur, cette activité paraît bien étrange. Ce groupe de 15 personnes, d'habitude tout à fait sérieuse, se défoule pendant 1h30 grâce à de grands éclats de rire. C'est très bien, ça évacue toutes les tensions. Pendant 1h15, je pense à rien. Voilà. Et ça me libère le cerveau. Des scénettes improvisées pour déclencher ce réflexe naturel et les soucis du quotidien sont oubliés. Partager quelque chose de joyeux. Et ça, on en a besoin, je crois, aussi aujourd'hui. On a besoin de ça aussi dans les entreprises, avec tous les phénomènes de burn-out et autres. On a besoin de ce genre d'activité. Le rire a de multiples vertus. Il libère dans le cerveau des endorphines, cette molécule du bien-être. Le rire s'entretient, car plus on rit, plus on est gai. On riait beaucoup plus en 1950. Aujourd'hui, on rit à peu près 10 fois moins donc, qu'à cette époque-là. Il a des vertus anti-stress, antidépresseur. Donc, il aide à la diminution de la sensation de douleur. Il aide à la digestion. Il renforce le système immunitaire. C'est un anti-stress. C'est un bienfait complet. En un mot, le rire fait du bien. C'est un remède naturel que les enfants connaissent. Pour preuve, les bébés rient avant de pouvoir parler. Nous avons besoin de nous lâcher et de retrouver notre rire d'enfant. Les enfants rient 300, 400 fois par jour. Et nous, on a perdu notre rire. Pourquoi ? Parce qu'avec la vie actuelle, c'est difficile de rire. Le rire n'est pas pris au sérieux. Parfois oublié, le rire est un sport qui fait travailler l'ensemble des muscles. 10 minutes de rire remplacent 30 minutes d'exercice sur un rameur.